Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pretty Flo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois d'octobre. Alors, je vais commencer tout de suite avec... Alors, je sais pas si vous verrez bien ce qui brille énormément, enfin avec la luminosité. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est les lingettes bébé, maxi carré, il y en a 60. Je suis déjà à plus de la moitié, mais j'en ai déjà racheté. Elles sont comme ça. Alors, j'adore ces lingettes parce qu'elles sont assez grandes. Elles sont toutes douces et en plus, elles peluchent pas. Moi, j'aime bien quand je me démaquille, passer en un seul passage. Donc, avec ces lingettes-là, c'est très bien. Alors, on va rester dans les cotons avec les Maxi Disc Leader Price. Alors, les cotons à démaquiller juste avant, c'était aussi de la marque Leader Price. Ils ont un côté lisse et un côté avec des alvéoles. J'aime beaucoup, je m'en sers principalement pour démaquiller mes yeux. Ils sont vraiment très doux, ils font bien leur job, j'en suis vraiment très contente. Alors on va rester dans le démaquillage avec cette lotion là. Alors, c'est la gamme Clean des Cosmetic Design Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gamme make-up cosmétique Carrefour. C'est la grosse surprise, la grosse bonne surprise. Alors j'adore tester les produits Carrefour. J'aime bien les idées, j'aime bien le design et puis surtout ils sont pas très chers. Il m'a coûté 2,58€ il me semble, ce qui est pas très cher. C'est une solution biphasée qui aide à démaquiller le maquillage waterproof des yeux. Alors vous voyez, c'est biphasé. Que je fasse un maquillage chargé ou non, il est super, il démaquille super bien. Avant j'avais le L'Oréal, mais je vous le présenterai dans mes produits finis. J'avais le L'Oréal biphasé et honnêtement celui-là démaquille vachement mieux, vachement plus vite que le L'Oréal biphasé. Puis même s'il est biphasé, il ne me laisse pas un fini gras sur les yeux que je déteste. J'ai une sensation de peau nette, sans aucun résidu de produit. Je suis vraiment satisfaite et je vous le recommande à 100%. Alors, on passe ensuite sous la douche avec le petit Marseillais au lait d'amande douce. Alors, il sent super bon, je dois être à peu près à la moitié. Bon, ça fait un petit peu plus d'un mois que je m'en sers, hein, mais je voulais vous le présenter dans mes favoris de ce mois-ci. J'adore, il sent très bon, il est très doux, je suis fan, mais fan de cette odeur. Ça sent super bon, c'est... En plus, j'ai le maxi format 300ml. J'adore, il ne massage pas la peau. Les produits de Petit Marseillais ont très bonne réputation, que ce soit pour les gels douche ou les crèmes ou tous les autres produits qu'ils font. Et j'avoue, j'adore l'odeur, j'adore le fini que ça laisse sur ma peau. Donc je vous le conseille si vous adorez l'amande. Alors maintenant, je vais vous parler d'un favori déodorant. Alors, c'est le Dove Pure. Il n'y a pas de parfum, pas de parabènes, pas d'alcool, pas de colorant aussi. Je l'aime beaucoup, il n'a pas d'odeur, c'est un gros avantage parce que moi j'aime beaucoup quand je mets du parfum ne pas mélanger les odeurs. Et grâce à celui-là, vu qu'il a, lui il n'a pas de parfum à l'origine, donc je peux me parfumer sans avoir d'interférence. Maintenant je vais vous présenter des lingettes démaquillantes. Alors c'est les lingettes Biface, enfin de la marque Biface. Il y en a 25, elles sont spéciales peau grasse et j'adore ces lingettes. Elles nettoient super bien. Quand j'ai un maquillage léger, une lingette suffit. Quand j'ai un maquillage plus chargé, il m'en faut deux. Elles sont super. Elles n'assèchent pas la peau. Elles ne me graissent pas la peau non plus vu qu'elles sont en spécial peau grasse. Alors, toujours la marque Biface. Alors, c'est du dissolvant. Je ne m'attendais pas à ce que ce dissolvant soit top parce qu'il n'est pas cher. Alors là, je vais vous présenter un favori auquel je ne m'attendais absolument pas à ce que ça devienne un favori. Alors, c'est une autre parfum Yves Rocher. Alors, je pense pas que vous allez voir, mais c'est celui à la rose fraîche. À la base, j'étais partie sentir celui à la fleur de cerisier. Alors, parce que j'adore tout ce qui dit cerise, fleur de cerisier. Ça se voit. Donc, j'adore que ce soit les odeurs, les représentations. Enfin, je suis fan des fleurs de cerisier. Et donc je suis allée pleine d'espoir en me disant que ça allait sentir super bon et que j'allais adorer. J'ai bien aimé, mais j'ai pas eu ce coup de cœur auquel je m'attendais. Puis comme j'étais chez Yves Rocher, je me suis dit bon allez.
Alors oui, Carson, t'as raison. Ah, continue. Donc je disais, comme j'étais chez Yves Rocher, je me suis dit, bon allez, je vais sentir les autres gammes. Et j'ai senti celui à la rose fraîche et j'ai eu un gros coup de cœur, alors que je déteste, mais tous ceux qui me connaissent savent que je déteste le parfum de la rose. C'est quelque chose que je n'aime pas en général, je ne supporte pas, mais là il a une odeur de rose et un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus fait que je le mets, vous voyez, hein, ça fait un mois que je l'ai bien descendu. Je l'ai bien descendu. Je l'adore, je m'en mets quasiment tous les jours, alors que ça a détrôné le parfum que je mets habituellement, quoi. C'est fou, ça sent super bon. Le seul petit regret, c'est que il dure pas toute la journée, enfin sur moi il dure pas toute la journée, mais c'est une autre parfum en même temps, c'est pas un parfum. Mais à part ça, voilà, je l'adore. Je pense que je vais acheter un mini vapeau pour pouvoir le transporter avec moi partout. Donc je vais vous parler de mon favori rouge, enfin de mon plus gros favori rouge à lèvres. Vous allez voir, j'en ai d'autres. C'est celui-ci. Alors c'est la teinte 05. C'est la teinte 05. C'est le Olé Flamingo. Enfin, je l'adore. J'hésitais entre celui-là et le Ping Pong. Mais voilà quoi. Il est super. Je crois que je l'ai déjà porté dans une de mes vidéos. Je l'adore, il est superbe. Cette couleur, elle est flash, elle se matifie super bien. Ça n'assèche absolument pas les lèvres. Ce qui est vachement agréable quand on porte un rouge à lèvres mat. Alors, il faut savoir que j'adore les rouges à lèvres mat. C'est mon fini préféré en rouge à lèvres. Alors, je vais de temps en temps, quand la couleur me plaît, je vais vers d'autres finis. Mais c'est vraiment le fini mat qui a conquis mon cœur depuis un petit moment. Donc je vais vous présenter mon autre rouge à lèvres préféré, toujours mat. C'est celui-ci de Kiko, c'est le 606. Regardez-moi ce packaging hyper beau. Hop, vous appuyez ici. Hop. Vous sortez le rouge à lèvres. Vous avez Kiko qui est écrit, qui est gravé dans le rouge à lèvres. Il est superbe. J'ai bien utilisé, hein, comme vous pouvez voir. Je l'ai bien mis. Hop. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Il est superbe. Je l'aime beaucoup. J'en suis fan. Donc si vous avez un Kiko près de chez vous, foncez. Achetez-le, il est super. Et le dernier produit lèvres que j'ai à vous présenter, celui-ci. Alors, l'écriture est un petit peu en train de passer, mais c'est un Color Boost de chez Bourjois. Il est soi-disant waterproof, mais bon, je n'ai pas vraiment trouvé qu'il était waterproof. Alors, c'est le Orange Punch, et je suis... Alors, j'ai été d'abord déçue, parce que, regardez... Il a pas, enfin, il a plutôt un fini rose que orange, je trouve. Donc au début, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais j'ai appris à l'aimer parce que, en fait, quand j'ai pas envie de me maquiller, enfin, quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je mets ça. Oh, un petit bonhomme. Alors, je vais vous montrer mon blush préféré de ce mois-ci. Je l'adore, j'en suis fan. Alors, c'est la gamme Mélissa. C'est un blush qui est pour les spécial pour les peaux mates et métisses. J'ai trouvé chez Auchan. J'adore, il est superbe. Il est vraiment superbe. Alors, je vais vous swatcher. Voilà. Donc, bon. Celui-là correspond là, celui-là correspond ici. Alors comme ça, ça peut faire peur, mais pas du tout, hein. C'est vraiment superbe. Je swatch les deux en même temps. Voilà, vous voyez, le orange tout seul, le orange foncé et les deux mélangés. Alors, je vais vous faire un autre à côté.
Et vous voyez, les deux mélangés. Il est vraiment très beau. Je l'adore, je le porte quasiment tout le temps. C'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que j'ai fait un maquillage violet, donc j'ai mis un blush qui était un peu plus prune. Mais voilà, c'est celui que j'ai mis le plus. C'est celui qui me va le mieux au teint, je trouve. Et je l'adore. Alors c'est le 201 blush velours. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer sur les peaux un peu plus claires. Alors, regardez, tout d'abord celui-ci. C'est le numéro 48 de la gamme, enfin de la marque It Style. Alors c'est une marque que j'adore. Bientôt je vous ferai une vidéo quand j'aurai testé différents produits de chez eux. Alors cette couleur là, je l'adore. Je vous ai mis une photo sur Instagram, je l'avais mis sur les pieds. Je l'adore, il est superbe, il tient super bien, la couleur est superbe. L'autre que je vais vous présenter, c'est celui-là de Kiko. Alors c'est le 336, il est superbe, un bleu qui est vraiment magnifique. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis très bleue. Mais depuis 6 mois, j'achète des fringues bleues, du vernis bleu, je suis très très bleue. Et celui-là, c'est le bleu que je préfère. Dernier favori make-up. Alors c'est celui-là. Alors c'est le Stay Matte de Rimmel en teinte 001, c'est-à-dire la transparente. Il est vraiment bien. Moi qui ai la peau grasse, il m'aide vraiment à bien matifier ma peau. Il me permet de ne pas luire rapidement dans la journée et je m'en sers aussi comme retouche. Il ne fait pas d'effet plâtre, ce que j'apprécie énormément. Alors maintenant je vais vous présenter un favori. Manger. Ah, c'est les MAC Vétis au caramel filant. Oh, c'est juste super bon. Si vous aimez le caramel et le chocolat, foncez. Si vous aimez les sablés MAC Vétis, foncez. Moi j'adore tout ce que MAC Vétis fait. J'adore leurs sablés normaux, les hobnobs, les sablés classiques sans chocolat, les sablés avec chocolat. J'aime tout chez eux, mais celui-là particulièrement. Alors c'était Halloween, et qui dit Halloween dit supermarché rempli de chocolat, de bonbons. Et même si je ne fête pas vraiment Halloween, j'ai cédé à la tentation et j'ai acheté des Milky Way. Ce truc est trop bon. Il me semble que la première fois que j'ai entendu parler des Milky Way, je crois que c'était dans le journal de Bridget Jones. Elle en bouffe à longueur de temps, il me semble. Ou alors je dis totalement une bêtise, hein. Désolée si je dis une bêtise, mais c'est super bon, c'est un goût de lait au chocolat, enfin, t'en manges un, t'as envie d'en manger 100 tellement ils sont super bons. En plus c'est parfait, c'est format individuel, ça limite quand même la tentation. Comme je vous ai parlé de tous mes favoris, là je vais vous parler d'un gros flop. Je suis... voilà, mais je suis sans voix de comment ce produit m'a déçu. Alors, c'est le Stay Matte Primer de Rimmel. Les produits Rimmel que je vous ai présentés dans cette vidéo, je les ai achetés sur fil unique. Ils étaient en solde quand je les ai achetés. Voilà, j'aime bien tester des bases. Donc pour l'instant, il n'y a que celle de ELF qui me plaît. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur ELF. Je me suis dit, allez, on tente autre chose. Et j'avais déjà entendu parler de cette base. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Rimmel, c'est quand même une marque qui a une bonne réputation. Donc, je vous le montre. J'en ai mis un peu beaucoup, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Dès que je mets cette base, alors, ça fait une peau hyper douce. Vraiment. Ça aide vraiment à faire tenir le maquillage. Mais son gros problème, alors je vous rassure, hein, quand vous les tailez bien, elles se font totalement dans la peau. Mais son gros problème, c'est que ça me faisait des points noirs, mais c'était automatique. Dès que je le mettais, le soir, quand je l'enlevais, quand je me démaquillais, j'avais une flopée de points noirs. J'ai une peau qui est quand même sujette aux points noirs à la base, mais pas autant que ça. Hein. J'en ai quelques-uns de temps en temps, je suis quasiment sûre que c'est celui-là qui me faisait des points noirs. Donc je suis totalement déçue, heureusement que je l'ai eu en solde, hein, parce que si je l'avais pas eu en solde, je pense que j'aurais eu bien les boules. C'est dommage, c'est soi-disant une formule ultra légère, qui fait pas de points noirs, mais voilà, soit j'ai pas eu de bol,
soit il fait vraiment des points noirs. Donc je vous recommande vraiment pas ce produit. Cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous aidera dans vos futurs achats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye.